Bon, pour les interviews politiques, là, parce que vous allez être obligé d'en faire une paire, ils vont tendre leur micro, etc. On est d'accord, c'est vous êtes satisfait de la situation, vous rassemblez la gauche. Vous pensez que les élections régionales sont des élections locales pour ne pas tomber dans le piège de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est un message à marteler. Le deuxième message à marteler, c'est que vous sentez profondément le retour de la question sociale. Ça, c'est bon. Donc, il faut être vif. Hein ? Vif. Vif, court et précis. Hein ? Et après, on part au journal de France 3. Et après, le journal de France 3, Adra vous attendra chez vous pour vous faire une visite, etc., concernant votre jambe. Il a déjà donné à votre chauffeur des indications concernant quelques petits médicaments. Ok ? Ça ne fait pas chic une casquette, ça donne le genre malhonnête. Et c'est pourquoi, quand un bourgeois nous voit, il dit en montrant du doigt. C'est un mauvais garçon, il a des façons. Pas très catholique, on a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât. Sitôt qu'il s'explique, ça joue du poing de la tête du chausson, un mauvais garçon. Socialistes en Languedoc-Roussillon et qui ont littéralement plébiscité l'actuel président de la région, l'encombrant Georges Frêche, exclu du parti en 2007 après ses propos sur les harkis, puis sur l'équipe de France de football, un peu trop coloré à ses yeux. Et bien malgré cela, c'est tout de même Georges Frêche qui conduira la liste socialiste régionale à Montpellier. Jean-Pierre Pouille. Demandez au chauffeur de venir, il est là. Je vais de partir à Blonio, nous allons à Carcassonne. Ah non, ils ne me l'ont pas dit. Monsieur Blonio, c'est le maire de Mende qui me dit que Montebourg aurait déclaré, êtes-vous au courant, que nous étions l'OS du Parti Socialiste. Non, j'ai pas vu ça. Blonio me dit qu'il ne l'a pas vu. Est-ce que tu pourrais demander à Marichaud sur quoi elle a vu ça ? Une déclaration de Montebourg. Celui-là, il faut porter plainte contre lui. Monsieur Blonio, il faut le voir. J'essaie de regarder les RPAV sur TF1, France 2 et France 3, une déclaration de Montebourg qui évoque... Il dit que nous sommes l'OS du Parti Socialiste, moi et mes amis les secrétaires fédéraux. C'est du pain béni. Montebourg dit que le PS du Monde de Croissant, c'est l'OS. Je vais vous lire ce qu'aurait dit Arnaud Montebourg, mais je mets tout ça au conditionnel parce qu'on vérifie actuellement. Il a insulté aussi tous les socialistes du Languedoc-Roussillon. Parce qu'il a dit que Frêche et ses amis socialistes du Languedoc-Roussillon, c'était l'OAS du Parti Socialiste. Et l'OAS de la gauche française. Ce Montebourg est fêlé, il y a longtemps que je le sais. Mais là, il est en train de dépasser les limites. Je ne le laisserai pas nous insulter comme ça. Ça n'a rien à voir avec les élections régionales. Moi, je suis d'une famille où on a toujours su ce que c'était que l'honneur,
et ce que c'était que la gauche. Dans ma famille, on est militaire de carrière depuis Napoléon Ier, depuis 9 générations. Le premier qui a quitté l'armée, c'est mon père en 49, après avoir fait la résistance. Il est parti parce qu'il m'a dit, moi, j'ai chassé les Allemands de France, je ne vais pas imposer la France en Indochine, il faut donner l'indépendance à Ho Chi Minh. Et moi, au moment de la guerre d'Algérie, j'ai fait toutes les manifestations anticolonialistes à Paris à la tête de l'UNEF. Et donc ce n'est pas ce petit morveux de Montebourg qui va me donner des leçons de morale. Parce qu'il n'était pas né au moment de la guerre d'Algérie, Montebourg. Vous savez, on m'a dit, Kabach, il a une intelligence diabolique. Il va te réduire en charpie. J'ai dit, je ne crains personne. Et Kabach, il est intelligent et je serai ravi de le voir. Puis je lui dis, pour le reste, on verra. On verra demain matin. On m'a dit, il est gentil, il est mielleux, mais il revient toujours. Je ne suis pas mielleux. Il ne lâche oh, jamais. Vous allez vous faire votre idée vous-même. Non, on a 9 minutes. C'est court. C'est court. Les réponses, il faut les faire ramasser. Oui, je voulais les faire ramasser. D'accord. Mais sinon, je tiens. Je coupe. Nerveuse. Non, pas. Donc, il faut développer, vous développez. Si je demande un truc sur la région Languedoc-Roussillon, t'es là. Mais il faut que vous m'en allumiez deux ou trois, quoi, au passage. Oui. Que soyez libre. Je suis prêt à vous allumer Montebourg. Ça, c'est le roi des connards. Ah oui, parce qu'il est contre vous, il n'arrête pas, etc. Ah, c'est un con. Puis c'est un. Ce type, il a tout fait. C'est un menteur. Il a changé d'avis. Alors, qu'est-ce qu'on va dire demain? Ce que vous voulez. Je parlerai de ce que vous voulez qu'on parle. Donc, vous avez renoncé à la statue de Lénine? Pas du tout. Pas du tout. Vous allez l'acheter? J'ai lu que vous avez. Je ne vais pas l'acheter, je l'ai commandé. Nous faisons une place du XXe siècle à Odysseum. Et j'y ai mis 10 personnes importantes du XXe siècle. Bon, j'ai mis Jaurès. Lénine, De Gaulle, Roosevelt, Churchill, Mandela, Golda Meir, Gamal Abdel Nasser, Mao Tse-Tung et Gandhi. Tout voilà. Ça, mais Mao Tse-Tung aussi, même si... C'est un homme qui a changé le monde. Ouais. Les prisons, les camps, tout ça. C'est après. Non, bon, après, il a été misérable. Vous savez que j'étais secrétaire général adjoint du Parti communiste marxiste-léniniste de France. Et moi, j'ai fait 30 campagnes. J'en ai fait 3 intelligentes. J'ai perdu les 3. Et j'en ai fait 27 rigolotes, raconter des histoires de cul, etc. Je les ai toutes gagnées. Qu'est-ce qui pourrait vous faire battre? Moi, je peux me battre tout seul. C'est vrai. Si je déconne, je peux me battre moi-même. Mais je ne me battrai pas parce que... Trop envie de rester. Très bien, et ça nous donnera l'occasion de commencer. J'ai pas envie de prendre la retraite. La retraite me fait peur. Il y a 2 choses qui me font peur. Que le ciel me tombe sur la tête et la retraite. C'est-à-dire la mort. Le malheur, c'est que je vais peut-être vous rendre sympathique aux yeux de tous, quoi. Hein? Demain, dans l'interview. On va dire il est tombé sous le charme ou quoi? Il est devenu fou. Moins 30% sur une sélection de un vendredi, ça de moitié. Merci et bonjour Jean-Pierre Cabas. Bonjour Marc-Olivier Folliel. On vient voir de près Georges Fraîche dans son bureau, d'où il lance et reçoit fatwa, anathème et malédiction. Ressemble-t-il à sa caricature? Officiellement, le PS ne veut pas de lui. Mais si Georges Fraîche conserve la région Languedoc-Roussillon, le PS la garde dans son escarcelle. S'il perd la région, Martine Aubry rate son pari de grand chelem. Allez comprendre. Alors vous êtes Georges Fraîche à la fois.
Question. Pourtant, Fraîche ne semble s'intéresser qu'à Coudert. À réponse de Jean-Jean. Il a choisi Coudert comme adversaire parce qu'il sait qu'il ne lui fera aucun mal. Alors que moi, j'ai de fortes chances de le battre. Le candidat dangereux, c'est moi. Fraîche le sait fort bien. C'est ça. Jean-Jean qui dit « Je lui vends que Fraîche venait de réunir son staff de campagne pour lui faire part des inquiétudes que je lui inspire. Et... » On lui propose une glace à Palamas tout à l'heure. Je me souviens de cette réunion. Je vous avais dit attention à l'envoi. Attention. Vous voulez venir, s'il vous plaît, arrêtez le foot un peu. Arrêtez de prendre l'heure. Asseyez-vous, là. On va gagner pour une fois. Donc, vous avez le droit de continuer. Bon, j'aimerais tous les deux que vous disiez comment vous voyez la campagne. Après, ils réagiront là-dessus, parce qu'on l'a pas. Il faut aller dans le sens de la marche. On l'a fait au plus simple. En sciences politiques, il y a deux niveaux dans la campagne. Il y a la partie temporelle, ce qu'on appelle le temporel, le spirituel. C'est ce que tu parlais, le temporel, c'est-à-dire le pragmatique, et ainsi de suite. Tous les candidats qui ont gagné sont partis du temporel au spirituel. Et pas l'inverse. Sarkozy est parti du temporel au spirituel. Ségolène Royal a fait l'inverse. Elle a perdu les élections. C'est l'exemple le plus probant que l'on a dans la... Si tu permets, parce que moi, juste pour enfoncer le coup là-dessus. Un, le résultat de ce sondage confirme la tactique et la stratégie que nous menons, qui est de choisir une campagne personnalisée autour de Georges Fraîche, parce qu'on pense que ça nous apporte un plus que par rapport à une campagne qui serait basée uniquement sur l'étiquette socialiste. Parce qu'on estime aujourd'hui, en sociologie électorale, que ce sont les enjeux qui permettent de mobiliser les abstentionnistes et pas nécessairement des appareils partisans. Vous avez le matériel de campagne suffisant, un site internet performant. Je vous entends me demander en permanence les bilans, vous les avez, vous aurez tous les détails que vous voulez, je peux même vous donner 3 paraffeurs. Mais je vais vous dire, il faut mentir, sortir des chiffres avec de l'aplomb, etc., dire que vous avez fait le double. Plus on va avancer, plus il faudra. Mais c'est ça qui compte, c'est essentiel. Essentiel. De toute façon, en période électorale, j'allais dire, tout peut se dire, et n'importe quoi peut se dire, et peut être accrédité de la même manière, alors même que c'est faux. Voilà. Avec cette idée que la parole de Georges Fraîche, elle est rare. Il faut qu'elle soit top niveau. Il faut qu'elle soit top niveau. Écoutez, il a reçu Jean-Pierre Cabache. Jean-Pierre Cabache, il voulait l'avoir sur son plateau. Il est descendu à Montpellier exprès pour lui faire l'interview. Il va nulle part ailleurs. Il a 72 ans, il a été patron du service public, il s'en fout. Il vient parce qu'il se passe quelque chose ici. Parce qu'il y a une personnalité politique hors norme. Donc il faut que nous, on joue ça dans la campagne. À vous de jouer la campagne proximité, etc., le plus possible. Vous avez carte blanche là-dessus. Carte blanche. Non, mais tu sais, j'en ai une de 5 mètres. Allez-y. Tu te mettras là. Bon, on a fait un banquet, après on fait une photo avec tout le monde. Voilà, dans la piscine, en prévu. Oui. Non, mais ça, c'est pas bien ce que t'as dit tout à l'heure. Il fallait mentir, c'est pas bien. Allez. Tu étais trop moral. Ah, moi, je mange, mais. Non, moi, je fais pas la politique, moi, je peux pas. moi, je fais pas la politique, je peux parler mal. Moi, j'ai pas de mémoire, alors. C'est pour ça que je mets les chiffres qui me viennent à l'idée. Faut y aller. Allez. Voilà, là, parfait. On peut parler, on dit quoi? Vous pouvez parler. Au centre de l'objectif. Président, la victoire est au bout de l'objectif. Ne lâchez pas l'objectif, Président. Il faut appuyer le regard. Il faut presque m'en vouloir un peu. Ah, ben voilà. C'est le bon fait. Bon fait les couilles. Président, vous êtes un peu tendu, là. Un peu tendu? Ouais. Je me trouve un peu tendu, là. Ouvre les yeux plus gras, Georges. Voilà.
Sinon, t'as l'air d'un chat qui veut choper une souris. Fais un effort, ma fille. Allez, applique-nous, je regarde où l'appareil. Ah, toujours l'appareil, oui, toujours. Dans l'appareil. Souris. Souris. Non, tu as les mâchoires. Pense au fric que tu vas filer à la Lozère. Ah, ouais, putain. Voilà les caisses de billets, quoi, qui sortent dessous. Allez. C'est mec, c'est un tiroir-caisse. Donnez-nous l'argent, Saint-Père. Oh, vous éloignez pas parce qu'il faut qu'on vous fasse tout seul aussi. Quoi d'ordiou ? Si, non, ça, c'est sympa, ça. C'est sympa, là. D'accord, allez. C'est bon ? Chocolat, putain. Et voilà. Je... T'es à la vie de Fadillan. Oh, Robert. Voilà ce qui nous manquait. Restera dans l'histoire. Tu iras conseiller Sarkozy après pour grandir. Tu devrais faire une photo, là, au niveau des pieds. Puis là, vous pouvez pencher un peu en avant, ou alors Christian, voilà. Non, regardez l'objectif. Souriez, pensez à la victoire, qu'on va se saouler comme des cochons le soir du 21 mars après minuit. Tais-toi, ne dis jamais ça. Ça porte malheur, il faut pas. Non, ça porte pas malheur. Mais il n'y a jamais joué. Il faut se battre comme des chiens jusqu'à la fin. C'est celle-là qui est bonne. C'est celle-là qui est bonne. Encore plus bas, tu auras encore meilleur. Président. 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 Après le Tchad, l'Angleterre et la France, le grand chemin qui mène vers Paris. Le cœur joyeux, tout gonflé d'espérance, ils ont suivi la croix qui les conduit. 10 millions de frères, toujours en avant, et dame le clair, passent en chantant, d'épée, vive la deuxième d'épée. Georges Frêche lâché cette fois-ci par le Parti Socialiste après des propos jugés antisémites, des propos rapportés par l'Express. Georges Frêche interrogé sur le non-soutien de Laurent Fabius à son endroit, répond de la façon suivante. Voter pour ce mec en Haute-Normandie me poserait un problème, il a une tronche pas catholique. Trop c'est trop, déclare le Parti Socialiste, qu'il a déjà exclu de ses rangs, vous le savez, et qui veut maintenant présenter une liste contre lui. Au régional, Jeff Wittenberg, Sylvain Devoir. OPS, décision dans l'urgence. Hélène Mandrou, la maire de Montpellier, est chargée aujourd'hui même de conduire une liste socialiste face à Georges Frêche. Et le parti en appelle aux militants locaux. Eh ben, dis donc, vous vouliez faire un parallèle. Il me semble qu'il y a. Voilà, il y a un vrai décalage entre les élites et le 6e arrondissement. Sur l'idée, il y a le pays réel, etc. Et voilà, ça, je suis d'accord. Et moi, je suis dans la rue toute la journée, dans la région, etc. Et j'attends les gens, et je sais. Mais il faut qu'il ait un discours sur assez de donneurs de leçons, les entrepreneurs de morale du Parti Socialiste, ça suffit. Attends, merde, vous avez vu la déclaration qu'elle fait, Martine Aurélie ? Mais on va pas se faire donner des leçons par cette conne. Je dis pas que la liaison entre Frêche et le peuple, Allez, on va aller le voir. Tu peux aller dans le concert là-bas, chez moi. On y va. Bon. Tu as dit la vérité. Allez, président, on va faire l'interview médiation. Mais là, vous vous épandez trop hein, sur le mandou, tout ça. On ne parle pas de ses adversaires, Vincent de Bois. Oui, n'hésite pas. Oui, bon. Oui. Hein ? Le mandou, c'est un non-événement. Donc, vous revenez sur la ligne qu'on a arrêtée depuis le début. Hein. Bon, et vous n'en parlez pas pendant 2 heures. Où vous revenez sur les grands sujets. Où vous menez un combat pour les gens dans cette région. C'est à eux qu'il faut parler demain matin quand ils humilient. Et vous jouez la victime. Vous ne faites pas le coup de menton. Il y a des gens qui en ont plein le cul de vous voir traîner dans la boue en permanence. Vous êtes la victime. Donc, 3 idées-forces. 1, on attaque Martine Aubry, mais on l'attaque propre. On lui dit, les élections régionales en Languedoc-Roussillon, c'est pas le premier tour de la présidentielle pour Martine Aubry. Les Languedociens ne seront pas les otages de la campagne présidentielle de Martine Aubry. 2, j'ai toujours été le petit vilain canard du PS, parce que moi je me bats pour un certain nombre d'idées, et je vais en faire passer dans cette campagne. 3, il y a une grande différence entre le pays réel et le 6e arrondissement de Paris.
Ça, c'est trois trucs, là. Vous les avez dans la tête. On les ressort à toutes les interviews de ce matin. On est bon, là-dessus? Et président, faut pas partir sur des trucs, c'est des histoires de congrès, on en veut, etc. Croyez plus simple. C'est sur les idées que vous avez raison. C'est pas sur, sur des politiques ailleurs. Ne tombez pas dans le piège sur mon groupe, hein. C'est pas de votre niveau, mon groupe. C'est pour ça que c'est Aubry, le niveau. Point final. Fermez le banc. Vous êtes la victime. Voilà. C'est Chirac 93. Mandrou, c'est votre Édouard Balladur. Hein? Ça, vous êtes la victime. Et alors, non, monsieur Fougel. Non, monsieur Fougel. J'en ai assez qu'on me traîne dans la boue. J'en ai assez qu'on me traîne mal à vous. Ma famille est mise en cause en permanence avec les attaques que vous portez. Il faut avoir des phrases comme ça. Si vous aviez regardé Ville Le Pen hier soir, il était exceptionnel. Exceptionnel là-dessus. Il n'y avait rien à dire en termes de communication sur ce qu'il a dit. J'ai pas de rancœur. Mais le côté j'ai beaucoup souffert, etc. Il faut le jouer. Il faut le jouer à mort. Ça, c'est très important. Là, vous allez y arriver sans problème. Monsieur Gondon ? Oui. Oui, donc écoutez, monsieur Frey, je peux. Je vous le passe. Je vous le passe. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Donc, elle à la réalisation. Je vous mets le retour en tête, c'est dans une minute. Et merci beaucoup de votre invitation. Je vous en prie, ne quittez pas parce que Olivier va s'adresser à vous directement. Elle est bien, cette photo. 11h30 sur www.tesmoto.fr. Régénération cellulaire intense. Le double performant prochain prépare en 18 procès. Le retardateur. Marc-Olivier Fauchiel. Interview. Bonjour Georges Fraîche. Bonjour Monsieur Fogiel. Alors après vos propos sur les Noirs en équipe de France, sur les harkis, maintenant donc Laurent Fabius a une tronche pas très catholique. Vous parlez d'une chasse à l'homme. Vous dites ce matin que vous n'avez rien à vous reprocher, même pas au minimum une maladresse. Moi, vous savez, dans cette affaire, c'est un complot qui est monté par Martin Aubry, parce que Martin Aubry essaie d'utiliser ce qui se passe en Languedoc-Roussillon pour le premier tour de sa campagne des présidentielles. Mais, monsieur Frech, vous avez envoyé une lettre d'explication à Laurent Fabius. Pourquoi pas plutôt lui écrire une lettre d'excuse, déjà? Ah non, non, mais monsieur Fogiel, il n'est pas question de s'excuser. Pourquoi? Mais parce que ce que je dis, c'est une expression courante. J'ai regardé tous les dictionnaires. On dit « ce n'est pas très catholique » ou « ce n'est pas très orthodoxe ». Monsieur Frech, donc vous, sur toutes ces phrases, les unes et les autres, vous dites « ben voilà, c'est ma façon de parler, et tant pis, même si ça paraît un peu populiste hein. ». Non, mais monsieur Fogiel, moi je parle le français, j'emploie des expressions qui sont de français. J'ai regardé les dictionnaires, l'expression que j'ai employée, elle est dans tous les dictionnaires, elle veut dire « se méfier de cet individu ». Moi je suis le vilepin d'Aubry. Alors justement, est-ce que vous avez peur de cette liste que va tenir et qui sera construite autour d'Hélène Mandrou? Vous voulez rire? J'ai 25 socialistes sur 28 au conseil municipal qui soutiennent ma candidature. Tous des élus qui ont des mandats, des postes ou des subventions que vous leur avez... Non, 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 mais arrêtez, monsieur Fogiel, d'expliquer que tout le monde, extrêmement tout le monde... Alors, tout ça se réglera les 14 et 21 mars. Le prochain dérapage, c'est pour quand, Georges Fraîche? Monsieur Fogiel, il n'y a pas eu de dérapage, je suis obligé de vous dire. Je sais que vous avez une grande gueule et que vous êtes un homme de qualité, et je vous apprécie, mais ce n'est pas pour ça que vous avez le droit de dire n'importe quoi. Pour vous. Non, il n'y a pas de dérapage. J'ai gagné tous mes procès, monsieur Fogiel, et je ne vous permets pas le droit de m'insulter comme ça. Je ne vous insulte pas, monsieur. Bon, alors vous ne m'insultez pas, mais vous dites n'importe quoi, c'est pareil. Merci, monsieur Fraîche. Il n'y a pas de quoi, monsieur Fogiel. Vous serez toujours le bienvenu à Montpellier. Eh bien, c'est très gentil à vous. Merci, monsieur Fraîche. Merci. Ah, voilà, c'est la meilleure de la campagne. Ça, c'est bon. Ah, voilà. Ça, c'est bon. Voilà. On attend ça de vous. Hein. Il ne faut jamais subir. Ah, c'est bien. Il n'y a plus la parole, il n'y a pas eu. Il était gentil à la fin. Merci, monsieur Fraîche. Merci. Il faut mettre l'interview tout de suite sur le site internet. Vous êtes bienvenu à Montpellier, merci de vous mettre sur le site internet de la campagne. Ouais, on le met. Aubry, c'est le bon tempo. Il faut se mettre au niveau. Cette campagne, elle vous élève. Sur Aubry, là. Non, mais cette campagne, elle vous met à niveau. C'est bon. Bon, vous allez gagner. Merci, monsieur Fraîche. Ça va. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. Non, mais
Mais vous avez vu la tête qu'elle a? Regardez bien. C'est effrayant, hein? Mais oui, mais... C'est qu'ils l'ont fait exprès. 70 ans. Une femme, 70 ans, c'est pas facile. Moi, je fais jeune encore, hein? Toi que j'adore, toi ma vie, je t'ai donné mon cœur. Allez, on y va. Allez. Enfin, je respire cet air parfumé. Par ta présence embaumée. France Inter. La maire socialiste de Montpellier s'appelle Hélène Mandrou. Cet après-midi, eh bien, elle a accepté l'offre de Martineau. J'accepte de conduire une liste aux prochaines élections régionales. Et j'appelle tous les socialistes, toutes les composantes de la gauche et les écologistes. Quand je t'ai dit, président, on est 1, 2, 3, 4, 5, moi je peux parler, on m'a dit. Quand je t'ai dit, surveille Hélène, il y a 4 jours lundi, quand je suis parti, je t'ai dit, maintenant il faut la somme. Tu m'as dit, tu crois? Bon, ben regarde. Sur Montpellier, c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Elle va faire vraiment passer Roumégas en dessous de 10. Non, ça aurait été mieux, Frédéric, arrêtez vos conneries. Ah, mais ça aurait été mieux si elle avait été avec nous, Vésiné, ah, tout le monde. Allez, on s'adapte aux situations. On faisait 80% au premier tour. La politique, c'est une science d'adaptation. Hein. Ouais, mais en fait, ça me fait chier. Je faire. Voilà. Tu l'as vu, la télé, le visage grave, complètement ravagé. Attends, tu vois la rénovation, bon. Hein, le visage ravagé, compagnie, tu vois la Mais oui, mais bon. Moi, j'ai envie qu'une chose, c'est de m'amuser maintenant. Tu vois? Ce truc me fait plaisir. Ils nous en monteront une la semaine prochaine, hein, je te le dis. Tu vas voir, ben tu vas voir. T'as déclaré un truc, tu vois. Mais, tu sais, les mecs, ils sont prêts à aller. J'ai eu Bascou hier soir, Dupré. Bascou, il m'a dit, mais qui nous exclut? Et puis c'est tout. Moi, j'y étais avec toi, alors je suis témoin. Si tu connais pas Henri. Président, bonjour. C'est le fameux maire de la Redoute. Il est membre du conseil de surveillance. Moi, l'idée, si tu veux, c'est qu'on démine cette opération comme on a déminé la plaine. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut être en place à partir de 19h20. Dans les Pyrénées, c'est-à-dire on est passé à l'opposition. D'accord. Je fais des interviews là depuis 3 jours. Alors, je dis, c'est pas les escarpins verdis du 6e arrondissement qui vont m'enlever de mon amour pour les Occitans et les Catalans. Et tout le monde biche ici, dit qu'est-ce qu'il leur fout, fraîche. Y'a bon, les gars. On m'attaque, hop, on me fait gagner 3 points dans les sondages. Je me régale, parce que moi, j'ai toujours joué le peuple. Alors, ils disent, il est populiste. Je suis peut-être populiste, mais je suis surtout populaire. On finit en 38, si ça continue comme ça. S'ils continuent à nous taper dessus à Paris... Il faut en dire une autre. S'ils nous excluent... Non. Bon, alors je reviens à l'essentiel. Ce que nous allons faire, c'est une immense aventure. À l'échelle du Languedoc-Roussillon, il faut irriguer la vigne, ça nous fait du boulot jusqu'à 2018, et là, il y a du travail pour les 500 que vous êtes. Et on va créer 500 emplois à l'exportation. Et on va se répandre dans le monde entier. Vous allez mettre des bureaux de BRL, si nous sommes réélus, dans toutes les maisons de la région. Alors, si vous en avez dans les tripes, à vous de prouver ce que vous voulez. Moi, j'ai plus rien à prouver, je peux prendre ma retraite ou continuer. De toute façon, je mourrai debout, comme Molière. Lui, c'est dans un fauteuil, enfin. Bon, excusez-moi, ça c'est le rubis, j'ai la jambe bousillée. Après les élections, on va me mettre une hache en plastique. On va signer. Et j'abandonnerai la canne. Mais je suis pas mort, il y a des mecs qui croient m'avoir enterré. J'en tuerai encore beaucoup. Bonjour Louis.
Voilà, ouais. Salut mon frère. Salut. Ah, t'es pied droit toi? Ouais. Allez monter, président, allez monter. Voilà, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir très fort, monsieur Georges Fraîche. C'est si bon, mes grands amis. Vous avez tout perdu. Et vous êtes arrivés ici, et moi, ce qui me plaît, c'est que les gens avec qui j'ai transformé Montpellier pendant 27 ans, c'est largement vous. Vous avez ouvert votre valise, il ne vous restait qu'une chose, le courage et l'esprit pionnier. Parce que, je le répète pour la énième fois, tout le monde parle de colonialisme, mais arrêtons bien sûr que le colonialisme s'est terminé. Mais on n'est pas plus coupable que d'autres. Et à cette terre que nous avons tant aimée, nous avons apporté les instituteurs, nous avons apporté les médecins, nous avons créé les routes. Alors, nous ne sommes pas parfaits, nous les Français, mais quand même. Je vous remercie d'être venus. Et on va terminer par une chanson. On va chanter ensemble avec Marlène, le chant des Africains, mes frères. Allez-y! Cher monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le président, vous allez bien? On se connaît, c'est vrai. Mais oui. Vous m'avez enlevé encore les mecs. C'est parce qu'il y a un nouvel homme. C'est vrai. Mais c'est une honte. Ils m'enlèvent Lénine et Mao parce qu'ils ont peur que ça fasse mal. Alors moi, je les remets. Moi, je suis lénino-écologiste. Vous avez qui, là? De Gaulle, j'ai pas. Alors j'ai Jaurès, Lénine, De Gaulle, Roosevelt, Churchill et Mao. Je fais une place ici des grands du XXe siècle. Et je fais faire 10 statues de 2 mètres de haut. Et il y a ces 6-là, plus 4 qui n'y sont pas, mais les statues y sont. Ah que c'est beau, la jeunesse c'est plein de foi, d'allégresse, de vrais chiens fous, les jeunes me plaisent beaucoup. Je leur fais de la propagande, et quand quelqu'un me demande « Quel âge avez-vous donc ?» Alors je lui réponds « Demain j'ai 20 ans, c'est un âge charmant. » Je ne les parais point, mais je n'en ai pas moins quand même. Oh, ouais, jolie blonde. Salut. Salut, madame. Tu vas bien? J'ai 20 ans, c'est un âge charmant.
Bonjour, monsieur le recteur, comment allez-vous? Vous arrivez en pleine révolution, n'est-ce pas? Ah oui, oui, garez-vous, il y a des shrapnels partout. C'est une nouvelle croisade Qatar. Éteignez la loge. Ils sont en train de transformer le vote en un référendum pour ou contre moi. C'est plus une élection régionale. C'est un référendum et c'est bon. Le sondage qui est sorti hier matin, on a gagné 3 points. On est passé de 29 à 32. Mais c'est Hélène. Elle est aux abois là. C'est la dernière tentative. Et c'est fini, elle est terminée, on va la liquider. Achevez-le, qu'il ne faudra pas. Vous avez une tête pas très orthodoxe. Hein. Ça va, Fabius? Oh, c'est beau, hein? Quelle victoire! Là, ma chérie. Bon, on va faire un zigzag. Hein? Allez, on va faire un zigzag. Alors ce soir, on est toujours en première division. Ouais. Ouais. Quoi tout? Demain j'ai 20 ans, c'est un âge charmant. Moi j'ai 20 ans. J'ai 20 ans tous les jours. J'ai pas vu passer le temps. Voilà. Ouais. Tout ce que j'ai inventé dans Montpellier, Mandrou. Vézine, qui a été mon premier adjoint pendant 25 ans, dont la femme est la marraine de ma fille, avec qui je suis parti en vacances en Grèce 10 ans, avec qui j'ai fait 25 premiers de l'an. Et Hélène Mandrou, bon, on dit que Solferino avait négocié sévère pour qu'elle soit... Oui, Hélène Mandrou, c'est moi qui l'ai inventé, c'est moi qui l'ai fait entrer au PS, c'est moi qui ai mis son fils en bière quand il s'est suicidé. J'étais son meilleur ami. C'est moi qui l'ai fait désigner maire, donc je ne vais pas la critiquer. Je vais vous dire, ceux-là m'attaquent pour se prouver qu'ils existent. Donc ça relève de Freud, ça ne relève pas de l'analyse politique. D'accord. Mais c'est leur droit, ils peuvent m'attaquer. Alors, arrêtez de vous donner les papiers, vous me prenez pour un débile. Mais non. Taisez-vous. Il veut... Il a l'âge de mon fils. C'est mon gamin. Et alors? Il va m'expliquer. Vous n'avez pas de fils, président? J'ai beaucoup. Il a 5 filles. Un certain nombre de personnalités parisiennes de haut niveau sont en train de prendre des positions qui nous sont très favorables. France-Olivier Gisbert, Catherine Ney ce matin, un certain nombre d'intellectuels sont en train de se positionner, y compris de grands acteurs comme Gérard Depardieu, vous avez pu voir son soutien, etc. Bon, aujourd'hui on a une dimension médiatique nationale, il faut savoir s'en servir. Et d'ailleurs le président montera à Paris pendant 2 jours, la semaine prochaine, pour mardi, participer... Mardi et mercredi. Pour participer... Alors, dites les émissions Calin+. Alors, il veut participer aux plus grandes émissions, dont le grand journal de Calin+, pour affronter Jean-Michel Apathy, qui devrait permettre de remettre les choses à l'endroit. Il participera à LCI, aux émissions de Guillaume Durand et une série d'émissions à la radio dans les grandes gueules de RMC. Et une double page dans Voici. Et une double page dans Voici, mais le président ne posera pas nu, on s'est pas posé. Go
Quand Daniel Cohn-Bendit dit « le fréchisme, c'est du Mussolini », il dit que vous avez le projet secret d'ériger des statues de Lénine et de Mao, c'est vrai ? Dans les statues, il y a Mandela, il y a Gandhi, il y a Jaurès... Mais il y a aussi des grands méchants qui ont du sang sur les mains, quand même. Arrêtez, tout le monde a du sang sur les mains. Mandela, beaucoup moins que Mao, quand même. Putain, la statue de Lénine, on va pas faire ça le lendemain des régionales, quand même. On va avoir l'air de con. Vous faites déjà vieux et vous allez avoir l'air de con. Vous n'avez pas l'avenir. Je vous l'annonce maintenant, on sera battu. Et je vais vous dire, ça va être la guérilla permanente. Il y aura toujours deux connards pour monter en haut de la statue, pour les faire tomber. Parce que c'est ça ce qui se prépare, Président. Et vous allez tous les jours parler de ça, ça va être invivable pour vous. Et tout le crédit médiatique que vous allez avoir, que vous avez aujourd'hui, vous allez le perdre. Parce que c'est une bataille, il n'y a que les batailles qu'on peut gagner qui méritent d'être menées. Hein. Vous voulez rester statique sur des positions qu'on n'arrivera pas à défendre. On n'arrivera pas à les défendre. On va se faire prendre des deux côtés. Vous allez être ringardisés. Ils vont vous dire que vous faites l'apologie de Mao et de Lénine, etc. Non. Faut choisir Clausewitz. Faut bouger. Aujourd'hui, vous avez un discours actuel. Mais c'était quand c'est... Vous deviez l'inaugurer quand, cette place ? C'est l'une. Ben oui. Il a fait, dans le dernier mois, 3500 articles. Sur ces 3500 articles, les principales, outre l'affaire Fabius, les principales critiques qui lui sont faites, c'est singulièrement l'édification à Montpellier de deux statues de Lénine à Mao. Ça va vous démonétiser, ça. Franchement, ça va vous démonétiser. Bon, mais on va faire refaire les statues. Faut changer d'optique. Clairement, ça veut dire quoi ? On les posera après les présidentielles. Vous reportez une fois plus le problème. Moi, je pense qu'on peut les mettre dans un jardin, il doit bien y avoir un Moi, je pense que dans un premier temps, c'est la solution de sagesse. Rien avant la présidentielle. Et après, on verra. Vraiment. Mais avec tout le monde, là. Rien avant la présidentielle. Bon. 0800. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour Guillaume Durand ? Je fais la victime. 0800. La vie est belle. Oh, pour vous, oui, elle a été quand même. RMC, les grandes gueules. Les Parisiens n'arrivent pas à comprendre comment je peux être populaire. Mais je vais vous dire une chose en secret, c'est que les gens m'aiment. Je fais une campagne à l'heure actuelle, partout où je vais. Les gens se pressent maintenant, ils m'ont transformé quasiment en icône. C'est tout juste, on ne me touche pas les vêtements. Mais non, parce que vous êtes plutôt un agressif, vous êtes transformé en victime. Vous le savez très bien, vous êtes malin. Vous êtes transformé à l'égard de tous les Français en victime. Je suis une victime de Martine Aubry, alors qu'en fait vous êtes un flingueur, vous le dites vous-même. Allez, pas plus de commentaires, c'est bon, terminé. Bon, merci. Merci, on a fini. Oh les gars, mais c'est pas possible. Mais il me materne, vous avez vu ça? Ça rigole pas. Allez. Oh les gars, j'ai pas encore l'Alzheimer. Hein. Mais oui, on y va justement. Allez, on en a 50. Il y en a 50, il y en a. C'est un endroit sympathique ici. Hein. Merci, monsieur Flash. Et ça vous fait quoi de vous retrouver dans un magazine comme Voici, aux côtés de Brad Pitt et Angelina Jolie ? Ça me fait marrer. Ouais. Ça me fait marrer. Mais ça me paraît pas exceptionnel, parce que j'ai une tronche de vedette de télé. Moi, si j'avais chanté juste, j'aurais fait une carrière d'opéra ou d'opérette. Mais je chante faux. C'est le seul regret de ma vie, de chanter faux. À Paris, titre le Parisien, fraîche en tête de gondole, renchérit le Figaro. La publicité accordée à son dernier dérapage en a fait un autre homme, il a changé de dimension, est devenu
bankable, comme on dit, des stars de cinéma qui peuvent faire gagner de l'argent à leurs producteurs. Monsieur Denisot, bonjour, bonjour. Et merci de votre invitation. Allez, vous en prie. Monsieur, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Dans un instant, le grand journal alternatif en direct avec Ariane Masmi, Ali Badou et Jean-Michel Apathy. Bonsoir, mes amis. Bonsoir. Dans une dizaine de minutes, l'homme par qui le scandale arrive, le président du conseil régional du Languedoc-Roussillon, Georges Fraîche, viendra répondre à nos questions. Je ne redis rien de ce que j'ai dit, je n'ai présenté aucune excuse, parce que je parle le français et je ne parle pas cette espèce de langue formatée que parlent les politiques parisiens, que les gens ne comprennent plus. Il y a un étonnement à voir que vous n'acceptez pas l'image que vous vous êtes construite. Parce que vous dites que vous n'êtes pas antisémite et que vous avez défendu Israël. Monsieur Apathy. Dans le dernier interview, si je peux juste terminer. Je suis venu pour parler du programme juste terminé. Que je présente à Languedoc-Roussillon, c'est les élections régionales. Les gens du Languedoc-Roussillon, vous vous en moquez comme de l'an 40. Mais non. Moi, je suis un homme de gauche. Et les gens, ils me connaissent. Ils me jugent à longueur d'année. Et pas sur un mot ou sur une phrase, comme font les donneurs de leçons parisiens. Donc j'ai peur que vous soyez un peu. À 20h10, rendez-vous avec Pierce Brosnan et Ewan McGregor pour le film de Roman Polanski, The Ghostwriter. Ils seront avec nous à 20h10. Si je suis réélu président de la région, j'invite Apathy et je lui fous mon poing dans la gueule. Ah, oh, mais c'est triché, il y a deux cartes par terre. Arrêtez. Vous avez une chance qu'on soit à Paris. Ils n'ont pas de jeu, ils ne laissent pas faire. Et moi, je suis un honnête homme, fondamentalement. C'est ça qui nous perd. C'est un truand. Je suis un truand. On va commencer d'abord, j'ai une tierce. D'accord. Moi, j'ai 50. Quoi ? 50. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? 50. Oh là là, le dedans s'approche sur la dernière partie. Eh oui. Quoi ? Remontrez. Non. Remontrez, il y a un carreau. Vous l'aviez pas vu, vous ? Non, j'ai pas vu le carreau. Mais non, mais arrêtez. Attendez, moi j'ai le chef de carreau depuis. Non. J'ai jamais vu ça. C'est quoi ? Carreau. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'objet du scandale. Nous allons recevoir deux personnages un petit peu hors normes qui ont leur franc-parler. Il s'agit de Patrick Sébastien et de Georges Fraîche. Moi, je suis originaire de Toulouse. À Toulouse, con, ça veut dire virgule. C'est-à-dire, vous dites, oh putain, con, j'ai vu le gosse, con. Oh con, le mec dit con. Les mecs, ils disent ça 20 fois en 3 minutes. Alors moi, j'ai dit un jour, con. Et alors, on a fait l'histoire. Georges Fraîche, vous ne l'avez pas dit un jour, vous avez aussi dit pas catholique pour Fabius. Enfin, mais il se trouve que je suis le football depuis de nombreuses années. Et puis, il y a quelque chose, effectivement, qui avait agité un peu le monde du football. C'est votre déclaration. Alors, on va la lire précisément. Dans cette équipe, l'équipe de France, il y a 9 blacks sur 11. La normalité serait qu'il y en ait 3 ou 4. Ce serait le reflet de la société. J'ai honte pour ce pays. Bientôt, il y aura 11 blacks. Quand je vois certaines équipes de foot, ça me fait de la peine. Alors, bon, moi, je suis journaliste de foot. Je lis ça. Vous êtes un homme brillant, intelligent, tout le monde a dit, c'est des propos de fin de banquet ou alors c'est une stratégie ? Ça fait la 50e fois qu'on me pose la question. Eh bien, la 51e fois, vous allez répondre. Eh bien, je vous l'ai déjà dit. J'ai dit, une équipe doit représenter tout un pays. Vous savez très bien que pour les footballeurs qui arrivent d'Afrique noire et qui font le foot, c'est une façon de réussir dans la vie. Pardonnez-moi, parce que j'ai l'impression que vous ne connaissez... Mais laissez-moi répondre, vous avez posé une question, vous m'avez dit de répondre. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas le sujet. Pourquoi est-ce qu'il y a des blagues dans l'équipe de France de football ? Est-ce que vous le savez ? Et parce que les Français de souche, ancien style... Si vous voulez ou comme vous voulez. Moi, j'ai connu les. Ah, vous ne savez pas. Manifestement, vous ne savez pas. Mais laissez-moi finir, monsieur. C'est la première fois que vous allez arriver ce soir. Mais laissez-moi finir. Moi, pour monsieur Fraîche, être français, c'est être blanc. Arrêtez de me raconter ce genre d'histoire. Pour vous, la normalité. Parce que pour vous, finalement. Mais arrêtez, je ne vous permets pas de dire ça. Je ne vous permets pas de dire ça, parce que écoutez, je vais vous dire une chose. Il n'y a aucune trace de racisme. Et si vous continuez.
Pourquoi vous avez mis Roswell sur le bureau? Non, je plaisante. Roswell, vous savez, c'est l'extraterrestre, là, qui... C'est Gandhi, ça. Non, vous le savez, bien sûr. Franchement... Intelligent comme vous êtes, hein. Un très grand amour... Arrête plus. Mais dans les rendez-vous de demain après-midi... Je t'ai donné mon cœur... Alors, demain... Enfin, je respire cet air parfumé... Franchement, elle est pas belle. Par ta présence embaumée... Elle est pas belle. Elle est magnifique. Voilà, voilà. C'est Gandhi qui a les poils de kiki. Alors, qui a dit, président, qui a dit? Courbe la tête, fier sicambre, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. Cher ami, oui. Vous savez pas, c'est pour ça. Je vous remercie de votre si gentille lettre. Vous pouvez compter sur moi, demain comme hier. Mettre dessous la photo de l'équipe de l'USAP. En dernière page, mettre l'équipe de football de Montpellier. Alors est-ce que vous savez d'où ça vient, les fourches codines? Ah, oui, ça vient de Labienus. De Labienus, un consul romain qui a fait passer ses vaincus en 450 avant Jésus-Christ sous des fourches. Non. Allusion à un certain défilé en l'an 321 avant Jésus-Christ. Putain, 130 ans d'erreur. Voilà. Il est pas mal ce bouquin. Journal, voici Fabrice Drouel. Bonjour Fabrice. Les 59 socialistes présents sur les listes de Georges Frêche en Languedoc-Roussillon savent maintenant à quoi s'en tenir. Martine Aubry les a exclus du PS au nom des statuts du parti. Les dissidents sont automatiquement écartés pour 2 ans. C'est écrit noir sur blanc. Le président et tout. Oui. Salut, jeune homme. Oui, aujourd'hui, alors, oui, vous ne faites pas dans la demi-mesure. Allez, oui, bonjour. Oui, mais tu peux t'arrêter là, et tu peux te mettre là. Hein. On n'est pas quand même une liste neutre. Hein. On est une liste où il y a des socialistes et des valeurs socialistes. Je t'en remercie infiniment et du fond du cœur. Je partage ce qui a été dit. Nous ne sommes pas des dissidents, nous sommes la liste socialiste. Parce que vous savez quand même Staline, il n'a jamais fait ce qu'a fait Martine Aubry. On n'a jamais vu... Eh oui, Staline, il n'a jamais exclu toutes les fédérations communistes de Leningrad ou de Sverdlovsk ou de Stalingrad. Vous vous rendez compte? Au Bureau national, elle fait décider, sans vote, d'exclure 5 fédérations, 5 premiers secrétaires, 15 000 militants, 2 ou 3 députés, 2 présidents de conseils généraux, enfin, on n'a jamais vu ça, jamais vu ça. C'est une folie absolue. C'est en avant-plan, voilà, comme ça. C'est bon ? Je vais me mettre en fond de ça. Essaye de la recaler comme ça pour voir. Et peut-être, recale-la comme ça. Je suis en plein meeting. Je suis bien séché, j'ai pas votre costume.
Mangalas, 4000, c'est bien 6000. Je vois Frédéric, bon, regarde ça, ça monte. Je vais faire un chrono. Essayez de trouver ma femme. Ouais. Monsieur Barbaz, vous pouvez voir si vous la voyez. Et moi, j'encaisse les coups. Et je vais vous dire, si j'avais été faible, j'aurais pris le pistolet de mon père de la Résistance et je me serais mis de balles dans la tête. Parce que pour supporter ce que j'ai supporté, il faut un courage que vous ne pouvez pas imaginer. Et ce courage, je l'ai. Martine, je la connais. J'ai toute la collection de ses ouvrages dans ma bibliothèque que ma maman m'avait offert. Martine à l'école, Martine prend le taxi, Martine en vacances. Je les relis. Et un jour, on va éditer un petit ouvrage. Martine en campagne dans le Languedoc-Roussillon, vous avez vu. Moi, l'argent, je m'en moque. J'ai besoin de 23 euros pour payer mon coiffeur. C'est tout, c'est le seul argent dont j'ai besoin dans le mois. Je ne sais pas faire un chèque, c'est ma femme qui l'a fait. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de me battre pour les gens, de me battre pour les plus pauvres, de me battre pour ceux qui sont en difficulté, de leur trouver des emplois, de leur faire des logements. C'est ça, la gauche. Mon père, il était fils d'une famille de paysans misérables, de l'Ariège à Saint-Giron. À 17 ans, il a quitté la ferme parce qu'il n'avait pas de quoi vivre. Il est parti pieds nus, avec les sabots sur le dos. Il est parti pieds nus, les sabots sur le dos, pour s'engager dans l'armée à Toulouse. Et il m'a pris les chemins de l'honneur. Parce que vous savez, on dit Georges Frêche, il est dur. On dit il est rude. Oui, je vais vous dire, vous ne faites pas 40 ans de vie politique si vous êtes un perdreau de la dernière couvée. Parce que la politique, c'est un monde rude où les trahisons sont monnaie courante et où les assassinats sont la norme. Mais sous la dure carapace que je continuerai à arborer, oui, c'est vrai, je suis tendre. Et je n'en ai pas honte, parce que s'il n'y a pas de tendresse en vous, il n'y a pas d'humanité. Et s'il n'y a pas d'humanité, et s'il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de vie politique digne. J'ai préféré ignorer la haine des loups qui hurlent dans la nuit. Je suis battu à l'acier. Et je suis tendre aussi. Mais je ne le montre pas. Si vous êtes trop tendre, on vous tue. Moi, je tue toujours le premier. Et après, je pleure. Je suis épuisé, vraiment. Je suis épuisé.
le passeport, son passeport, il est à la région, tu sais, ou pas? Ben non, il a perdu son portefeuille. Impossible, je l'ai enlevé hier soir, je m'en souviens. Non mais c'est bon. Écoute, il vient de retrouver son permis de conduire et sa carte d'électeur, c'est parfait. Bon, allez papa, on vote. À gauche, monsieur Fresh. Monsieur Fresh. Bonjour, monsieur Margueux. Sur votre droite. Monsieur Fresh. 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 Vous êtes confiant, monsieur Fresh? Vous êtes confiant, monsieur Fresh? Non, quand même. C'est une bonne journée pour l'instant. Oui, très bonne journée. Monsieur Fresh. Vive Mandela, vive Gandhi. Pour les photographes, s'il vous plaît, droit devant, un petit geste. Vive Mao, vive Lénine, vive Roosevelt, vive Churchill. Vive Fresh aussi. Hein? Non, non, vive. Allez. Écoutez, on en reparlera demain. Et le seul mec qui, aujourd'hui, en langue de Roussillon, envoie un message de modernité, c'est Fresh, c'est quand même incroyable. Moi, j'entends bien avec lui parce que je suis un publicitaire, je suis pas un communicant. On le voit, tu le vois dans les trucs, je suis complètement dans la pub, moi. Je suis un pubard. Mais la publicité dans les collectivités publiques, c'était un mot vulgaire à une époque. Bien sûr. Une bonne publicité, c'est une publicité qui raconte une histoire. Voilà pourquoi moi j'aime la pub. Oui, mais et je pense quand même qu'en pub, tu ne vends bien, tu ne vends pas bien un mauvais produit. En plus. C'est le Yop, il a mis 10 ans avant de prendre. Ils ont eu 10 ans trop tôt, il a mis 10 ans pour émerger. Hein. Le Yop, c'est le. Ah, le oui. Alors, hola. Comment ça va? Vous êtes pas trompé? Pas très bien. Vous êtes pas en forme? Non mais moi il y a les chiffres que j'aimerais et puis il y a les chiffres politiques. Arriver en tête et être au-dessus de 29-30 points, c'est remarquable dans la configuration d'un club. Après ce que je souhaiterais moi c'est qu'on soit proche des 40, mais bien évidemment, mais ça c'est pas de l'analyse. Merci. Pascal, les premières estimations sur Fresh, c'est 19h-19h15. Ouais. Ah, on aura un score quasiment approchant à 19h15. Hein. À 19h15, c'est une sortie des urnes, carrément, c'est le ces résultats. C'est carrément les résultats. Ouais. Bon, on est une heure avant le résultat. Il est bon, et en plus il gagne. Ça sera le futur slogan. Oui. 35,5. Attends, deux secondes, attends, je suis... Attends, 35,5, 19 coups d'air, Mandrou 7. Coup d'air, il a démarré dans les sondages à 28, il finit à 19. On l'a siphonné. Allez, on trace, Jean-Pierre. Oui, bien. Chef. Je suis à 5,40, chef. Tu as appelé maman, Julie? Oui, papa, je l'ai appelé, oui. Louis-Nicolas, message de Georges Fraîche. Écoutez, tout ça va bien. Je suis à 36%. Mandrou est éliminé, elle est à 7. Donc, je vous embrasse. À bientôt. Rappelez-moi si vous voulez. Tout droit, là. Mandrou, vous n'en parlez pas, hein. Comment? Pas un seul commentaire avec toutes les caméras qui est à côté. Hein. Du style, t'as montré tes couilles, etc. Ça va pas, ça. Il y a des caméras partout, hein. Donc, personne n'a montré ses couilles. Ah, si, c'est ce que vous avez dit au dernier. Oh, mais si, à Cayenne, c'est là. À Cayenne? Si, à celui de la paillade, là. Jean-Pierre Cayenne, c'est pas ça. Non, il est mort, Jean-Pierre Cayenne. Non, c'est pas, c'en est un autre. Allez-y, là, franchement, allez-y. Voilà. Il aura tout fait.
Mais bien sûr, et ça oui. va. Et... Avance. On s'épanchera pas dans le monde. Moi, j'ai pas de haine, ni contre Revol, ni contre Drevet, ni contre Roumégas, ni contre Mandrou. Moi, je leur tendrai la main à tous. Mandrou, je veux pas en parler de Mandrou. Mon Mandrou, elle compte pas. Moi, j'ai eu 24 ans comme adjointe, elle a jamais eu une idée. Si elle avait une idée, je m'en serais aperçu. Je l'ai mise de mer à... Oui, gardez ça, s'il vous plaît. Non, mais parce que j'ai des gens qui viennent et qui sont très bien, donc à force, ils parleraient à ma place, c'est ça que je... Non, mais n'ayez crainte, les copains. Je me suffis. Bon, voilà ce que je veux dire. Qui arrive en tête largement avec 34%. Il sera le seul représentant de la gauche au second tour dans une triangulaire contre l'UMP et le Front National qui lui fait 12,5%. Un sérieux revers aussi pour la candidate socialiste Hélène Mandrou. Elle n'arrive qu'en sixième position. Elle n'a pas donné de consigne de vote, mais hier appelée à faire barrage à la droite. Hier, il n'a pas été, mais vraiment, il n'a pas été bon du tout. Pourquoi ? Parce que son surmoi a pris dessus, il fallait parler de Montpellier, il a dit n'importe quoi à la presse nationale sur Montpellier, c'est n'importe quoi. Voilà. Alors c'est un discours, tu peux tenir ça quand tu as fini ta soirée électorale avec 15 militants, il n'y a pas de souci. Après, pour le reste, ça n'a pas été ce qui devait être. Ce qui devait être, il aurait dû rester à un niveau, effectivement, ce que dit Frédéric à chaque fois, lui montant la barre. Ouais. Et sans compter qu'il nous jette devant parce que ça sent pour les boules aussi. Oh, voilà, ça sent pour les boules, moi je le dis, comme ça au passage. Ouais, maintenant, il va se démerder, quoi, tu vois. Monsieur le jeu, ça... Il a un papier à lire, il est d'accord avec ce qu'on dit, à un moment donné, il faut qu'il le fasse. Non, mais il y a un truc, c'est vrai que c'est incroyable quand même, ça, c'est incroyable. Il reste devant ses putains de caméras et ses putains de micros pendant un temps infini. Pour le sortir et l'extirper, c'est une horreur. Il revient au local de campagne, il refait une conférence de presse. Il te faut ruser comme c'est pas permis de ruser pour arriver à le faire sortir, tu vois. C'est il se rend pas compte que ouais. Il est là et il bavasse comme là. Voilà. Là, on peut se dire un peu n'importe, enfin pas n'importe quoi, mais on peut se laisser aller, on peut tordre le bâton, voilà. Mais c'est pas possible. À un moment donné, tu as une déclaration à faire, tu as un papier, tu le lis, tu peux ajouter deux trois choses, tu peux répondre aux questions, messieurs, et il se lève et il se barre. Non, mais c'est comme ça que tu peux lui donner. Donc du coup, il te fait un truc d'une heure dans lequel tu retrouves tout, quoi. Tu as l'entrée, tu as le dessert, tu as le plat, tu as le fond de sauce qui est un peu attaché. En même temps, c'est pas possible, quoi, parce que bon sang, normalement, des soirées comme ça, tu parles 10 minutes, t'as délivré ton message. T'as délivré ton message, c'est tout. Moi, je sais. Il faut pas le lâcher, là. C'est bon. Pas tout ça pour tout vendager. Hein. Richard, bonjour. Dites-moi, vous êtes avec le président ? Il est réveillé ? Bon, eh bien, je vais passer chez lui. Vous lui dites que ça serait sympa s'il m'offrait un café. Eh ben voilà, j'arrive. Hein. Aussi, parfait. Là, c'était, tu me prends une voiture là, qui me prend. Je vais te lécher l'oreille un peu. C'est la peur de l'envers.
Bon, t'as pas été trop mauvais, hein. Il y en avait zéro faute, hein, jusqu'à la fin. J'ai connu ma mère dans sa tombe, elle est montée il y a 5 ans, mais elle disait toujours « Georges, il a de la chasse, alors ». Je dirais quand même que le fait que les trois, aucun ne passe la barre de 10%, on a été un peu aidé en plus par la chasse, parce que c'est un truc incroyable, quoi. On ne pouvait pas rêver mieux. Bien sûr, nous avons fait une excellente campagne, il faut continuer, il ne faut pas se demander. Il faut continuer à être focus. Mabrou, je l'aime. Revol, je l'aime. Je les aime, oui, personne ne me croit, mais les électeurs, il y en a beaucoup qui me croient. Parce que j'ai une faculté de j'ai l'air d'un honnête homme. Et moi, je continue à faire la campagne. Mais mon problème, c'est pas d'apparaître comme un homme de gauche. Si après 40 ans de fidélité à la gauche, je ne suis pas perçu comme un homme de gauche, c'est qu'il y a des connards. Et ou alors que je suis très habile. Je pencherai pour la deuxième solution. La question est posée. Je mors. On a un événement important qu'il ne faut pas manquer de la campagne. C'est l'événement de jeudi. C'est le grand meeting du deuxième tour. Il faut qu'on soit 5000 au Zénith. Dans un moment un peu compliqué de mobilisation, où tout le monde pense, les journalistes en premier, mais aussi beaucoup de gens qui vivent les résultats, que nous avons d'ores et déjà gagné la partie. Donc il faut redoubler d'efforts pour faire de ce Zénith un moment d'orgue de la campagne. Silence, et puis on va démarrer la musique. La musique, c'est Olivier Ruiz. Et alors, elle a fait une chanson, je me demande si elle l'a pas faite pour vous, en fait, avec Salvatore Adamo, qui s'appelle « C'est quoi ce genre ?» Hein ? Donc ça fait « C'est quoi ce genre ? C'est quoi ce genre ?» Le chanteur. Oui, c'est extraordinaire. Donc c'est une manière de continuer à personnaliser la campagne avec une certaine dérision. Nickel. Et qu'est-ce qu'elle dit de ce genre ? Mais ce genre, il a le cœur qui lui sort par la gorge. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge. Mais qu'est-ce qu'il a, ce type, qui est toujours là, même quand elle s'enlève. Oh là là, oui, ses yeux de braille. Je ne suis plus du tout tout seul. Et je dis ce soir aux donneurs de leçons, aux moralistes du 6e arrondissement et à leurs avatars locaux, on ne s'assied pas sans conséquence sur le peuple, parce que le peuple, il pique. Bon, on est bon. On y est quand même, hein.
On va avoir un baby blues après ça. On y va. Non, on y va, Brilliant. Le maire de l'ITL, M. Navas, qui est un certain nombre de représentants de notre commune dans le restaurant. Il ne va pas la faire quand même. Bon, si jamais vous la faites. Bon, alors arrêtez. Vous payez le resto ce soir. Demain soir. Oh là. Ça fait une demi-heure, vous trichez à mettre les cartes dans le bon sens. Allez, on y va. À voter. Qu'est-ce que vous voulez boire, Président ? Campari Soda. Il y a quand même une cravate bleue. Jolie, la cravate bleue. J'avais mis la semaine dernière, j'avais mis la rose. Bonjour, petit minou. Et tu nous avais pas dit pour qui voter, alors ta mère a voté pour moi, mais on n'était pas sûr. Claudine, tu veux lui dire un mot ? Des bisous, je l'ai bien. Je vais te passer ta mère. Elle est venue pour voter. Je t'embrasse, mon amour. Je te la passe. Merci. Allô, comment ça va depuis hier ? La forme ? Bon, ben, j'ai bien voté. Oui, maman. Voilà. Ah oui, surtout que mon grand-père, il était richissime parce qu'il avait vendu en 1914, il avait vendu une colline pour faire une carrière, pour faire la ligne de chemin de fer Saint-Girons-Toulouse. Il avait des bois. Et on lui avait payé 30 000 francs en louis d'or. Ça veut dire que l'histoire des sabots, c'est pas vrai. Mais bien sûr non. Que c'est pas vrai. Sûrement pas. Alors ce matin, à l'apéro, le président, dans un éclair de lucidité et de vérité, a dit la vérité sur les sabots de son père. Ah, c'est vrai. Il a avoué que son père n'avait pas de sabots. Attendez, ça fait 5 mythiques. C'est mythique, il a arraché les larmes à tout le monde. Mon père, il est parti de rien, pieds nus, jusqu'à Toulouse. Il a vérité sur les sabots de son père. Provençal. Provençal. Il a changé de bagnole, on n'a même pas gagné. Pascal, on rentre en deux chevaux. On va lui montrer ce que c'est d'être de gauche. Eh, hey, petit président, quand vous ferez 70%, vous viendrez me voir. Ah bah c'est pas avec ta campagne de pub, hein. C'est les publicitaires, ça. Ouais, ça va bien. Ah oui, c'est bien. Il va bien, oui, depuis bien. C'est bien. Moi, j'ai un copain qui faisait ça dans la rue à Paris. Il disait, voulez-vous coucher avec moi ? Il prenait 7 baffes, il y en a deux qui lui disaient, oui. Pourquoi pas, oui. Et une qui disait oui. Et il le faisait tous les jours. Moi et mon cousin qui est mort, on avait un coup terrible. On remontait les Champs-Élysées en scooter avec des boules de pétanque. Et on prenait les filles qui étaient dans des décapotables, on leur disait, vous venez faire une pétanque au bois. Pour ceux que la religion n'interdit pas. Mais il y en avait une sur 10 qui disait oui. Après, on se l'a tapé. Il est obligé de dire oui, tu sais. Parce que, comme, évidemment, il n'y a pas un socialo aujourd'hui, qui est connecté à la réalité du terrain. Pas un. Ils sont censés représenter le peuple de gauche et ils représentent les élites intellectuelles qui ont envie de gouverner n'importe quoi. C'est pas, ils ne savent pas ce que c'est la France, ils ne savent pas ce que c'est le peuple. Ils ne leur parlent pas. Ils se parlent entre eux et se disent, tiens, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le pouvoir. Et ben ouais, mais le pouvoir, c'est pas ce qui fait bander les lecteurs de base. Parce que l'électeur de base, il en a plein le cul qu'on lui raconte des conneries et qu'il voit des mecs qui sont interchangeables, la droite, la gauche, les machins, de toute façon, c'est kif-kif bourricot. Vous êtes l'illustration du fait que quand on fait des vraies choses et qu'on parle aux vrais gens, il se passe ce qui se passe avec vous. C'est-à-dire que vous êtes élu parce que vous faites des trucs. Ces gens-là. Je retiens les phrases. Sont totalement merveilleux. Ah, les pois chiches et les lentilles, les mecs. Je trouve que t'as la quitte à vous souffler. Tu sais que le meilleur truc est. Oh, Sorams. Il a la quitte à vous souffler. Merci.
On est content. Hein. Moi, je suis super heureux. Parce que vous avez remis les choses dans l'axe. Et c'est sur ça qu'il faut capitaliser. Oui, et c'est l'axe. Ça, c'est ça qu'il faut qu'on y arrive. L'axe. Georges, il y a un truc qu'il faut qu'on fasse. Et Jean-Marie, tu es d'accord. Et aujourd'hui, c'est pas une fin en soi, c'est un commencement. Le socialisme, c'est une idée fraîche, c'est une idée neuve. Ma fille qui est de droite, elle est venue dîner avec vous l'autre jour. Vous adorez, adorez. Et elle me dit un truc, c'est sans doute le seul homme qui est capable à un moment donné de réactiver certaines choses. Donc ça veut dire que maintenant, vous allez prendre la plume pour réécrire ce qui est capable d'être le socialisme de demain. Une réécriture du socialisme. Et vous en êtes capable. Et oui. Je souhaiterais publier Allez. Votre programme, comme j'ai publié ce livre. Donc l'idée est la suivante. D'abord, vous reposez. Je vais me faire opérer la jambe, là, rapidement. Il faut que j'arrive à marcher sans la canne. Oui, mais alors avant, il y a une cure. Hein. Oui, pas de petits gâteaux, pas de... Enfin, tout ce qu'on a fait ce soir aujourd'hui. Et pareil, hein, Georges. Hein. Là, il faut qu'on... Non, mais la canne, elle est bien, parce qu'elle a un côté de Churchillien. Oui, c'est extraordinaire. La canne est extraordinaire. Même si vous n'en avez pas besoin... J'espère que vous n'en aurez plus jamais besoin. Surtout gardez-la. Ah, mais les deux. Et vous savez qu'il y a des élections. Vas-y, non, vous avez gagné. Baisser le champagne sur la tête de Gilles. Oui, mais. D'accord. Alors, ben vous feriez 54-55. L'UMP 27 et le Front National 19. Ben c'est quand même considérable, le fait de faire le double de suivant de l'UMP, vous allez mettre un écart de voix de près de 300 000 voix. Quoi. On fait 54-55 tout seul. Hein. Putain, quelle de campagne ouais. Hein. Si on nous avait dit ça il y a 6 mois, que vous feriez 55, hein. Putain. À triangulaire, n'oublions pas. Merci. Merci à tout le monde. Ah, ça, je l'ai mis sur la table. Non, monsieur Blondio, merci. Tu étais endormi. C'est vrai, je sais. Très bien, mais je. Vous avez fait une campagne formidable. Merci, ouais. Chef. Faut s'en rendre compte, là. Bah, on va s'en rendre compte quand on va y voir les gens. On l'autorise. Oh. Toi, t'as une belle angoisse, ton père. J'ai crevé. T'es un peu plus. Ouais, c'est vous faites observer une minute de silence pour la fin des partis politiques, parce que l'abstention est record et parce que le Front National fait des scores considérables. Et vous appelez au renouvellement de la chose politique, vous appelez au fait qu'on appelle de nouvelles générations et vous œuvrez pour les faire advenir dans les jours et les semaines qui viennent et vous parlerez prochainement sur ce sujet. Il faut renvoyer au fait, puisque vous allez parler très peu ce soir, etc., que vous allez vous exprimer nationalement dans la semaine. Hein. Surtout là, les premiers médias, vous êtes de dimension nationale. Donc, coup d'air, Mando, tout ça, là, franchement, on s'en branle. C'est Et puis, en duplex, Georges Fraîche aussi sera notre invité dans quelques instants. D'abord, voici nos estimations que nous vous donnions dès 20h. Georges Fraîche, 53,5%, donc large victoire contre 27% pour la liste UMP de Raymond Coudert et 19,5% pour celle du FN. Georges Fraîche, bonsoir, merci de nous réserver votre première réaction. Est-ce que votre score est un désaveu pour Martine Aubry et pour la direction du PS? Mais écoutez, j'observerai d'abord une minute de silence pour les partis politiques tels qu'on les a connus au XXe siècle. Donc aujourd'hui, les partis politiques sont devenus comme des étoiles mortes. Elles continuent de briller, mais ils sont morts depuis longtemps. Alors, je voudrais dire une dernière chose, si vous permettez. Je voudrais dire une dernière chose, si vous permettez. Hein ? C'est bon ? Très bien. Quelle heure, président ? Vers 15, donc on a 3-4 minutes. Restez en place, président. C'est LCI. Ouais. Qui c'est ce gars ? Luc Châtel, ministre de l'Éducation. Ah ouais, il est ministre, ce mec ? Allez, va.
C'est mon fils. 27 ans, il a l'âge de Julie. Et j'embrasse même les ch'tis. Allez. Allez. Ouais. Allez. Oh, ça va. Alors. Là, on va à la permanence. On a fait le meilleur score des triangulaires et Ségolène le meilleur score des duels. Je vais l'épouser. Ça me fait marrer. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Félicitations. Monsieur Fresh, vous avez la rancune tenace quand même, parce que Hélène Moi, Mourou, la rancune tenace, mais non, mais Martine Aubry, non, moi. Vous avez décidé de... Non, moi, monsieur, je fais de la politique. J'ai lu Machiavel et j'ai lu Sun Tzu. C'est-à-dire ? Vous connaissez Sun Tzu, j'espère. Non, Machiavel, oui. Mais... Bien sûr que si. Sun Tzu, c'est un stratège chinois du 7e siècle. Et qui dit quoi ? Eh bien, il dit qu'il ne faut jamais lâcher. On l'adore, on l'adore. Il n'y a pas ma femme là. Ne poussez pas. Je frise. Il m'amène, il fait voir. Du coup, exactement. Ne poussez pas. Voilà, comme d'habitude. Alors, le marabout a bien assuré. Du frais, président. Attendez, laissez-moi aller m'asseoir. Il n'y a pas une chaise là au milieu. La chaise haute. Sortez-vous ici. Il n'y a rien, Christian, par là. Où est la porte là? Mais où est-ce qu'elle est, la porte de la permanence? Ne poussez pas derrière. Bon, mais il n'y en a pas de chaise. À la rive. Oh putain. À la rive. Allumez à l'intérieur. Allumez. C'est là-bas la permanence, président. C'est pas là, c'est derrière. Allez, c'est à l'extérieur. Putain, alors, c'est pas possible, hein. Ça arrive. Oh, vous êtes des mâches, c'est tout. Mais non, arrêtez vos conneries dans notre chaîne. Je suis pas le sucre. Un peu de silence. Je n'ai pas pour Hélène Mangrou, une tendresse exagérée. Elle est allée... Incroyable, on est en France, bordel de merde. Bon, vous allez fermer votre grande gueule, là, derrière. Virez-la. Voilà, vous lui fermez sa gueule et vous la dégagez. Virez-la. Alors, je disais... Donc... Mais oui, mais je sais qu'on est en direct sur France 3. C'est pour ça que je le dis. Bon, mais alors, je ferai demain comme hier ce que j'ai envie de faire. Et ceux qui me mettront la main dessus ne sont pas nés. Voilà. Merci, monsieur le président. Mangrou, elle ne mérite pas, c'est une femme. Elle n'a jamais rien compris à la politique. Tant qu'elle me suivait, elle savait où elle allait. Parce que je la guidais. Mais maintenant qu'elle est seule, elle fonce dans le brouillard. Elle sait pas. Elle n'a jamais été politique, elle n'y comprend rien. Allez, il n'y a pas ma femme par là, elle est devenue. Mais si, elle y est, ma femme. Si, on va l'appeler. Claudine.
Vive la révolution d'octobre! Vive Lénine! C'est ma jeunesse, ça. Toute ma jeunesse.